Lily Rose arrive, ça va pas du tout, apparemment il s'est passé quelque chose d'assez grave avec Jérémy. Ça va? Vous allez bien? Faut que je te parle. Oui, bah apparemment ça va pas du tout là. J'ai récupéré quand ça. Quand j'ai reçu ton appel, j'ai eu trop peur. En fait, c'est quoi ça? Je t'expliquerai après, j'ai reçu ça au collège, j'avais trop bizarre. Putain. Lily Rose, ça va? Lily Rose? Lily Rose? Ouais, ça va et toi? Non mais t'as l'air bizarre là, t'es sûr que ça va? Bah ouais, je vois pas pourquoi ce que tu fais dire. Ça. Je fais quoi? Je sais pas. Elle a un problème là. En fait, il... Attends. Vas-y, Lily Rose. Quoi? Viens, je vais te mettre sur le côté. Mais qu'est-ce qu'il y a? Reste là, t'inquiète pas. Mais ça va? T'es sûr que ça va? Bah oui. Ok. Bon. Reste là, j'arrive. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, je sais pas. Donc moi, j'étais la récupérer au collège. Et en fait, ils m'ont donné ça. Parce qu'apparemment, elle se serait fait mordre. Comment ça, elle s'est fait mordre? Par quoi? C'est quoi ça? Mais je sais pas, c'est une espèce d'araignée. Ah, mais elle est immense! Mais oui, qu'elle est immense, elle fait la taille de. Pas maman. Mais non, presque. Mais c'est quoi cette araignée là? Et du coup, elle s'est fait mordre par l'araignée. Ah bah, et depuis, elle a un comportement bizarre. Je sais pas si c'est de là ou pas, mais enfin, je vois pas d'autre raison. Ouais, non, mais c'est. En plus, non, mais parce que là, les amis, pour contextualiser, pour vous dire, Lily Rose, elle était censée être au collège toute l'après-midi. Sauf que là, il est 14h30, donc c'est pas du tout la fin des cours. Elle est déjà là. Ils t'ont demandé de venir la chercher, du coup. Ça va? Lily Rose! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, mais et tu toi? Tu te rends compte de ce que tu fais ou pas? Bah non. Mais tu fais des bruits bizarres là, tu fais comme des bruits de loup ou de chat. Qu'est-ce que tu dis là? Elle s'est fait piquer où du coup? Ils te l'ont dit? Je sais pas, je crois le bras ou un truc. Vas-y, Lily Rose, montre. Non, c'est là. Regardez. Mais. Non, mais... Oh! Arrête, non mais tu nous fais une blague ou quoi là? Pourquoi tu me touches là? Attends, montre. Ah ouais, là, il y a une sacrée morsure. Il y a une sacrée morsure d'araignée. Ouais, vas-y, on va regarder ça à la lumière, viens. On va aller dans le shop. En plus, normalement, il y a Valentin. Et lui, il s'y connaît un petit peu en araignée. J'essaie de travailler, moi, là. T'essaies de travailler, mais nous, on a un gros problème. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, regarde, viens. Viens, il y a une araignée, là. Tu veux une araignée? Non, mais il aime pas les araignées. Il aime pas. Il s'y connaît en araignée. Parce que ton père, il a fait quoi comme travail? Il a fait des études sur les insectes. C'était un araignologue. C'est ça, un arachnologue. Un arachnologue, il s'y connaît en araignée. Bon, voilà. Envoie. Non, mais je sais que t'as peur de ça. Attends. Envoie une photo à ton père. C'est bon. Et dis qu'elle. Oh, on essaie de trouver un problème. On essaie de trouver une solution. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais pas, elle est comme ça dans la voiture. À l'école, ils nous l'ont rendue parce qu'apparemment, elle s'est fait piquer par une araignée. Oula, ah non, ça c'est grave, je pense. Bah, envoie une photo de ça à ton père aussi. Je l'ai déjà envoyé, j'attends sa réponse. Non, mais une photo de la morsure. Ah. Et de dire ce qu'elle risque. Parce que là, elle a pas un comportement normal. Lily Rose, toutes les 30 secondes, elle fait un bruit de chat. C'est une morsure d'une araignée très dangereuse. Une quoi? Une morsure d'une araignée très dangereuse. Attends, c'est ce qu'il t'a dit là? Mais oui. Et c'est quoi les risques? Une transformation. Une transformation? C'est bizarre. C'est une transformation? C'est Spider-Man là? Apparemment, les doigts ils commencent à pousser, à devenir très longs. Comment ça les doigts? Lily Rose! C'est quoi ça? Vas-y, non mais tu ne touches pas avec ça. Ah mon dieu. Va prévenir Peppa Pig. Non, Lily Rose. Non, stop. Attends. Arrête de faire le bazar. Stop. Lily Rose. Quoi? On va te mettre dans une pièce. Allez, viens. Mais viens. Qu'est-ce que vous dites? Attends, mets-la sur la chaise. On va utiliser comme un fauteuil roulant. Les amis, je pense qu'on va devoir appeler un médecin de toute urgence parce que c'est pas normal du tout ce qui se passe. Vas-y, pousse-la, mets-la dans la pièce où il y a rien. D'accord. On verra bien ce qui va se passer. Le chat est là. Ouais, le chat, ouais, tu te prends pour un chat, c'est ça. On dirait plutôt un loup-garou. Mais avec elle, attention. Les amis, on dirait vraiment qu'elle se comporte comme un loup-garou. J'ai déjà vu des légendes sur internet qui disent attention, certaines araignées, quand vous vous faites piquer, vous pouvez devenir une sorte de loup-garou. Enfin bref. Ah bah, vas-y. Qu'est-ce qui se passe là, Esteban? Viens. J'entends des bruits. Lily Rose s'est fait renvoyer de l'école cet après-midi parce qu'apparemment il y a un gros problème. Elle se serait fait piquer par une araignée et depuis elle a un comportement très bizarre. Regarde. Mets-la dans la pièce jaune où il n'y a rien du tout. Viens, je vais te montrer l'araignée. Elle est immense. Elle est immense. Regarde. L'araignée, elle est dans la boîte. Ah, oh non. Araignée. C'est les chats encore, ils jouent avec. Non, c'est pas les chats, c'était vraiment bien fermé.
Bah comment l'araignée ça se fait? S'est échappé. Oh non 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 mais... Le couvercle est là. Attends, si tu me dis vrai... Mais oui, je dis vrai. Elle est comment cette araignée? Mais elle est immense, c'est une araignée toute noire. Attends. Jérémy. Valentin. L'araignée s'est échappée de la boîte. Ah. Comment ça? L'araignée s'est échappée de la boîte. Il faut la retrouver. On condamne la pièce, on condamne... Non, stop. Sortez tous, sortez tous. Pépaping, pépaping. Sortez tous. Ah. Sortez... Non, montre. Ah. Oh non. Il s'est fait piquer. Elle est là. Il a les deux traces rouges. Tout le monde sort de la pièce, tout le monde sort. Elle est en dessous du bureau. Stop. Elle est dans la pièce là-bas. T'es sûr? Ah, il faut que... Non, mais... Je vais me désinfecter. Toi aussi, tu vas finir par te transformer. Attends. Non, mais arrête. Vite, va désinfecter. Va désinfecter. Lily-Rose, elle a disparu. Comment ça, elle a disparu? Elle est plus là. On l'a mis là, il y a 3 secondes. Lily-Rose? Mais elle est là. Eh mais qu'est-ce que... Mais pourquoi ça? Elle a un comportement de... Ah non, mais le chat... Le chat commence à être attiré par Lily-Rose. C'est pas bon. Non, mais, donc c'est ce que je vous disais, j'ai vu une légende sur internet. J'ai vu que dans certains pays, il y a des gens qui se faisaient piquer par des araignées. Attends, on a 3 soucis. On a perdu l'araignée. Il y a Lily-Rose qui s'est fait piquer et il y a Peppa Pig. Ouais, mais lui il a désinfecté donc je pense que ça devrait aller. Ouais, apparemment, il y a des gens qui se font piquer par des araignées dans certains pays et qui deviennent totalement fous, qui commencent à se prendre pour des loups-garous. Sauf que là, le problème c'est qu'elle commence à vraiment se transformer. Elle fait des bruits très bizarres dans son sens. Vous entendez les bruits là? Oh non, mais elle devient folle, alors elle perd la tête. Hein. Mais toi, comment tu te sens? Attends, bah, écoute-moi. On m'appelle. C'est le collège de Lily-Rose. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Allô, oui? Oui, oui, c'est bon, il y a un de mes amis qui est venu chercher... Lily-Rose, arrête, je suis au téléphone. Il y a un de mes amis qui est venu chercher Lily-Rose. Comment ça, très grave? Ok, je préviens un médecin. Tout de suite. Oh, c'est plus grave que ce qu'on pensait. Et quoi? Il y a 3 autres élèves qui se sont fait mordre par l'araignée. Et apparemment, eux, ils sont devenus tellement fous qu'ils se sont pris pour des chats. Ils ont commencé à sauter partout et ils ont dû aller voir des médecins de toute urgence. C'est une épidémie, ça, c'est... Je veux faire de même. Oui. Sauf qu'elle, elle se prend pas pour un chat, on dirait plutôt un loup. Bon. Je vais essayer de capturer l'araignée. Non, c'est rien du tout. Appelle le médecin tout de suite avec ton téléphone. Bon. On va la mettre dans sa chambre tranquillement, dans son lit. Et on verra bien ce qui va se passer. Lily-Rose, elle est dans ta chambre? Vite, Lily-Rose. Oh non, mais allez. Ah, c'est pas possible. Lily-Rose, dans ta chambre. Même si je sais que tu fais pas exprès et que t'as pas toute ta tête, allez vite, dans la chambre. Elle se comporte de plus en plus bizarre. Trop bizarre. Vite, venez. Donc normalement, Peppa Pink, les amis, a décidé d'appeler les médecins. C'est déjà ça. Bon, écoute, va dans ton lit. On va fermer les volets. Non, mettez-la dans le lit. J'ai la lumière du jour. Comment ça, t'as la pleine lune, c'est ce soir. La pleine lune? C'est pourquoi tu nous parles de la pleine lune? C'est ce soir. Comment ça, c'est ce soir? Oui. Pourquoi tu nous parles de la pleine lune, Lily-Rose? T'es sûr que ça va? Ok, les amis, je vais fermer les stores. Non! On va essayer de la faire dormir. Laisse la lumière du jour entrer! On va essayer de la faire dormir un petit peu. Laisse la lumière du jour rentrer. Et que tu me parles de pleine lune, j'ai pas envie que tu te transformes en loup-garou. Hein. Bon. Steven? Oui. Je suis d'accord, le médecin. Bon, oui. C'est un peu foutu de moi. Mais comment ça, le médecin, il s'est un peu foutu de toi? Alors, mais je vais expliquer en fait ce que tu m'as dit. Et il m'a donné un remède avec de l'ail. En fait, je vais essayer de le faire. Hein, Esteban? Qu'est-ce que tu fais? Un remède avec de l'ail. Non, mais c'est un vampire. Là, je suis en train de fermer les stores. Bah non, mais c'est pas un vampire, mais demande à ton père ce que c'est, là. Bah oui, tu parles de loup. Mais on a un expert des araignées au téléphone qui nous dit que c'est très grave et le médecin se moque de nous. L'école vient de dire pareil. Et je veux faire un remède avec de l'ail et une échalote. Bah, tu crois oui. Que ça va marcher? Bah, je sais pas. Non, ce qu'il faut, c'est mettre Lily-Rose au calme, qu'elle essaye de dormir en attendant le médecin. Surtout ne pas l'exposer à la lumière du jour. Ah bah voilà, j'avais raison. Oh non. Surtout ne pas l'exposer à la lumière du jour. Allez, Lily-Rose, tu restes là. Allez, c'est parti. Bah, qu'est-ce que je fais, moi? On va la laisser tranquille. Okay. On va partir un petit peu. Vas-y. On y va. Et surtout, il faut pas que les chats rentrent dans la pièce. J'ai pas envie. J'ai surtout une question. Est-ce que c'est contagieux en fait? Parce que c'est contagieux, il faut se faire piquer par l'araignée. Mais si elle nous griffe avec ses. Bah oui, c'est ça. Ses ongles. T'entends? J'ai entendu, oui. Ça fait un bruit de loup. Je vais quand même préparer la potion. Oui, bon, prépare ta potion si ça peut te rassurer. On a oublié de fermer une fenêtre. Non. Si, ça sèche. Chut. Attends, écoutez, ça fait un bruit de loup, comme un bruit de loup-garou. Essaie d'ouvrir. Attends, ça fait un bruit de loup-garou dans la chambre.
elle peut se transformer en loup-garou si elle explose. Ça fait un bruit de loup-garou dans la chambre. Qu'est-ce que c'est que ça? Lily Rose, ça va? Mais c'est de pire en pire. Lily Rose, ça va? Je vous avais dit de ne pas fermer les volets. Oh, elle est devenue... Qu'est-ce qu'il dit ton père à ça? Mais faut partir, Vite, bougez. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, Lily Rose s'est fait piquer par une araignée et elle est devenue un loup-garou. C'est devenu un loup-garou à cause d'une piqûre d'araignée. Mais non, il va pas. Non. C'est ça ta potion? Bah oui, mais il faut laisser. Et... Dehors. On se met dehors. Il faut la tirer dehors. Allez, c'est bon. Allez. Stop. Ici. Non, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Non! Vas-y, faut trouver un moyen pour lui faire boire ça, Stéphane. Elle va pas vouloir le boire, c'est devenu un loup-garou. Elle est totalement hors de contrôle maintenant. Ouais, mais il faut trouver une ruse pour lui faire boire. Il n'y a pas de ruse. Oh là, mais comment on va faire là? Bah là, il n'y a pas le choix. Elle va rentrer. Il faut... Non, mais c'est fermé à clé. Il faut qu'elle reste là. On va attendre la tombée de la nuit. Parce que... Ouais, mais la tombée de la nuit, Stéphane, c'est encore... En plus, aujourd'hui, c'est la pleine lune. On va attendre la tombée de la nuit. Et normalement, les loups-garous à la pleine lune, ils se transforment. Peut-être qu'elle se retransformera en Lily Rose. En attendant, il faut absolument trouver l'araignée. Parce que... L'araignée qui a transformé Lily Rose en loup-garou. Parce que toi, tu t'es fait piquer, ça va? Ça va mieux, là, quand même. Tu ressens rien? Bah, je suis un peu étourdi des fois, j'ai la tête qui tourne, mais ça va là pour l'instant. Toi, ça va, t'as désinfecté, regardez. Il s'est fait piquer par. L'araignée, enfin mordre par l'araignée. Ouais. Et. Comment elle a. Dans la pièce. Vite. Et comment elle a su ouvrir? Le remède, c'est sûrement là. Non, stop. Sors d'ici. Ah! Attends, c'est quoi? Le remède, c'est l'araignée. Je viens de ressentir un truc. Mais oui, mais l'araignée, elle est encore dans la pièce. Attends. L'araignée, elle est encore dans la pièce, faut faire attention. Regardez, j'ai une piqûre aussi. Elle est sur toi, Esteban, regarde. Attends. Non. Elle est là. Je la tiens par les pattes. Oui, mais vite, la boîte. Regarde. Vite, le couvercle. Valentin, donne-moi. Vite. Mettez ça à l'intérieur. Oh non. Il s'est fait mordre aussi. Moi aussi, non. Vite. On s'est tous fait mordre. Non, pas moi. Faut désinfecter. Ou la potion. La potion. T'as fait une potion là pour l'hydrogène. Et en haut, la potion. Non. Attends, tiens ça. Non, l'hydrogène. Non. Comme vous l'avez compris, l'hydrogène est devenue totalement folle. Tiens, Stéphane, c'est la décoction de d'ail. De d'ail? D'ail, de l'ail. Ah viens, je vais boire ça sur le... Vas-y. Je vais boire ça sur le patio. Ah, il faut que je prenne de l'air frais, là. Vas-y, bois une petite gorgée. Merci. Et Valentin aussi. Bah, ça sent l'ail, hein. C'est de l'ail. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça sent le vide. Moi, j'ai pas été touché pour l'instant. Monte tes bras. Oh, j'ai rien du tout. Pour l'instant, ça va. J'ai rien sur mes bras. Ouais, non, mais pour l'instant, c'est le seul qui s'est pas fait piquer. On espère que la potion fonctionne vraiment. Sinon, ça va poser des très, 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 très gros problèmes. Et on va tous se transformer. La pleine lune, elle est dans 4 heures, c'est là. Mais non, mais la pleine lune, elle est même plus que dans 4 heures. Parce que là, il est 15 heures. Allez, vite. Viens, Valentin. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Valentin, tiens, bois ça. Vite, ouais. Ah, mais ses mains, elles commencent à se transformer. Arrête, Lily Rose. Attends. J'ai pas envie de rigoler. Vas-y. Petite gorgée. Et normalement, Esteban, ça va. Ouais, non, mais moi, ça va, j'ai pas eu de transformation. Et toi, fais attention à toi, tu devrais boire un petit peu la potion aussi. Bon, les amis, là, ça change de problème. Je vais carrément appeler la police pour qu'ils viennent chercher l'araignée. L'araignée, elle est où? Ah bah, ça, elle est... Elle est là. Ah, c'est bon. J'ai eu peur. En même temps, j'avais shooté dedans là. Hop. Non, faut pas la laisser. Voilà. On va la laisser là, comme ça, bien sagement à l'intérieur. Comment ça, une deuxième araignée? Il faut que j'essaye de faire boire ça à Lily Rose quand même, à Esteban. Ouais. Apparemment, ça va être compliqué. Vas-y. Je vais appeler carrément la police, les amis, pour leur demander de venir chercher l'araignée. Mais tu vas pas leur dire, il y a des loups-garous, ils vont jamais venir. Mais si, ils vont venir, t'inquiète pas. On va leur montrer la vidéo avec tout ce qui s'est passé. Ouais, bah sauf que là, oui, allô?
Oui, allô, je suis bien au poste de police. Oui. On a un problème très original, je pense que vous ne l'avez jamais rencontré. Une araignée qui transforme les gens en loup-garou. Alors ça paraît incroyable, mais on a tout filmé de A à Z. Oui, l'araignée était dans l'école de ma sœur. Oui, et ils m'ont raccroché au nez, ils y croient pas une seconde. Bon, moi je cherche un coffre-fort pour essayer de mettre l'araignée dedans en attendant l'arrivée des secours. Il est où le coffre-fort ? Des chauves-souris. Ah, c'est quoi ça? Il y a encore une araignée. Qu'est-ce que c'est que ça? Venez ici. C'est Ben? Oui. Je crois que le médecin, il arrive. Ah, le médecin arrive, ça va. Ouais, le médecin. Attends, j'ai vu une autre araignée, là. Il y avait une araignée dans les affaires, là-bas. Ah, non, fais attention. Regarde, elle est là. Ah, elle est là, c'est une sorte de scorpion. Oh. Non, viens, on s'en va. Là, les amis, il y a plein de bestioles bizarres. Je sais pas si en ce moment, il y a une invasion de bestioles étranges. Attends. Arrive, en tout cas, moi je l'ai touché, j'espère que je me suis pas fait mordre. Normalement, ça va, j'ai rien sur les mains. Oui, faut surtout pas qu'elle s'en aille. Le médecin, il est bien, ton gars. Il est où le médecin? On va l'amener au médecin. Viens, Lily Rose. Allez, Lily Rose, votre... De toute façon, elle est pas raisonnable, les amis. Bonjour. Ah, le médecin est là. Bonjour, c'est pour quoi? C'est pour une consultation. Oula. Donc, on vous explique. On est là dans une pièce, s'il vous plaît. Oh là là là. On va l'amener, on va aller dans cette pièce là. Laquelle? Ici. Oh voilà. T'es sûr? Ouais, venez ici. Oh là. Voilà. Je sais pas voilà, si voilà. Ce qu'il faut. Alors, je propose qu'elle se mette sur le fauteuil. Oui, c'est moi. Mets-toi sur le fauteuil roulant, Lily Rose. Mets-toi sur le fauteuil roulant. C'est le médecin. Je m'appelle pas Lily Rose. Je m'appelle Lily Wolf. Tu t'appelles comment? Lily Wolf. Lily Wolf. Le Wolf. Lily Wolf. Lily Wolf. Lily le loup, ça veut dire. Ok, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un... Oui, bah je vous ai expliqué au téléphone et vous m'avez dit de préparer... C'est à cause d'une piqûre d'araignée. Est-ce que quelqu'un d'autre a été touché? Comment? Est-ce que quelqu'un d'autre a été touché? Oula, oui. Mais j'ai désinfecté tout de suite. Oui, non, moi je me suis fait piquer, mais ça va, j'ai bu la potion, ça a marché. Ok. Et lui aussi. Oui, moi aussi. Arrêtez-moi, ouvrez grand la bouche. Oula, ah oui, ouf. Non, ça sent pas bon. Oh, oui, mais on aimerait bien un soin rapide pour qu'elle puisse retourner à l'école tout à l'heure et qu'elle ouais, reprenne. Oui, laissez-moi, je reviens dans 30 secondes. Est-ce que ce que vous m'avez demandé de faire, ça va marcher? Oui, j'ai noté. Tout est moche. Lily Wolf. C'est pas beau. Lily Wolf, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Voilà, bon, là, j'espère que ça va aller là parce que. En tout cas, ça a marché avec Valentin, moi et... Ouais, mais moi, j'ai plus du tout de symptômes de la morsure. Ben, Jérémy, il est où? J'espère que le médecin... Jérémy? Ouais. Oh, je dis pas. Disparu? J'espère qu'il s'est pas fait piquer et qu'il est resté dans un coin. Oh non. Ah, vous avez trouvé une solution? Oui, le talisman sacré. Le talisman? Exactement. Oh là là. C'est quoi ça, le talisman? C'est un collier? Il s'agit d'un talisman sacré que nous sommes donnés par les médecins. Oui. De génération en génération et qui permettent de contrer certains sorts. En gros, c'est un collier de guérison. Exactement. Ça, elle va guérir. Oui. Ok, bon. Lily Wolf, tu vas devoir porter un collier de pleine lune. Yeah. Car tu es un loup-garou exemplaire. Yeah. Mettez-lui ça. I'm America. Ouais. Sur son oreille, et puis voilà. Allez, c'est bon, bah, mettez-lui sur son museau au pire. Oh my god, look this collier. Oh my god. Ouais, pourquoi il parle anglais? Il parle anglais. Wolf, c'est en anglais, Wolf. Oh, ça tombe, elle s'est transformée en loup-garou américain. Ouais. Laissez-la tranquille dans la pièce. Non, laissez-la. Okay. On va laisser le talisman agir. Allez, bon, laissez-la tout de suite. Allez, c'est parti. On va fermer la pièce. Bon, moi je m'en vais. Ouais, je vais essayer de voir Jérémy quand même. Vous me dites si jamais il y a quelque chose. Bon, les amis, je vais rentrer dans la pièce. Je vais rentrer dans la pièce. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on attend là. Il faut attendre. C'est censé marcher tout de suite. Attention. Oula, c'est quoi ça? Oula. Lily Rose? Lily Rose, ça va? Elle est redevenue normale. Lily Rose? Quoi? Réveille-toi. Ça va? Apparemment, ça va. Elle est redevenue normale. Pourquoi je suis pas à l'école? Mais parce que tu t'es transformé en loup-garou à cause d'une morsure d'araignée. Hein? Un paillon. Allez, réveille-toi, c'est bon, tout va bien. Viens, on va te porter. Ah, je suis rassuré. Allez, viens, Didi, on va te porter, on va t'aider.
D'accord. Ah, je suis rassuré. Bon, les amis, on va laisser Lyros se reposer parce qu'à mon avis, elle en a bien besoin après tout ce qui s'est passé. En tout cas, vous nous avez tous suivis en vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette histoire de A à Z. En attendant, les amis, pour tous ceux qui nous aiment, pour tous ceux qui aiment bien nos vidéos, vous pouvez aller sur notre site, le Pink Lily Shop. Vous pouvez aller sur le pinklilyshop.com pour commander une trousse, des stylos, des t-shirts Pop It Mania, des pulls, des gourdes Pink Lily. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, Jérémy! Oh non! Jérémy! Qu'est-ce que tu fais? Ah, le chat, il a eu peur!